Plusieurs candidats se sont mis sur TikTok. Nabila se moque de certains qu'elle ne trouve pas drôles. Alors parle-t-elle de Jazz et Laurent ? Vous avez certainement remarqué que les candidats de télé-réalité se sont lancés sur TikTok et où ils partagent très souvent des vidéos. D'ailleurs, Jazz a annoncé que plusieurs de ses vidéos ont été supprimées par l'application, jugées non conformes avec les règles d'utilisation. D'autant plus, une vidéo de la maman de Chelsea et Kayden est devenue la risée du web. TikTok me supprime toutes mes vidéos, je ne comprends pas pourquoi. La dernière vidéo était très très mignonne, donc celle d'avant on m'avait dit parce qu'il y avait une culotte, ok très bien. Celle-ci c'était une vidéo hyper mignonne, je ne comprends pas en fait. Là c'est un petit peu exagéré je pense. Nabila s'est exprimée sur ce phénomène et s'est moquée ouvertement des candidats qui font des vidéos pas drôles et les conseille d'arrêter. Alors de qui parle-t-elle ? Je suis en train de regarder TikTok, les gars il y en a, ils font trop pitié. Franchement je suis désolée. Non mais autant il y a des trucs c'est grave drôle et tout, autant il y en a ils font de la peine. C'est un truc de fou. Oh, mon dieu. Mon dieu. Non mais après je suis d'accord, on est tous enfermés, on est tous un peu en galère et tout ça. Faut bien tuer le temps. Mais il y en a s'il vous plaît, je vous en supplie, arrêtez TikTok. Pitié. Pitié. Je m'en fais trop la peine. La maman de Milan n'est pas très active sur Instagram et a précisé n'est pas inspirée en ce moment, mais a fortement critiqué les posts Insta des candidats avec les masques. Les photos Insta avec les masques, oh, ça me saoule. Bon, je sais que c'est comme ça parce que voilà, c'est la situation et tout, mais oh, ça saoule, franchement, stop. Cela dit, moi, ça fait un bail que j'ai pas posté parce que j'ai pas d'inspi en ce moment. Et j'aime pas me forcer à faire des photos, ça me saoule. Selon vous, de qui Nabila parle-t-elle et que pensez-vous de la nouvelle vague des TikTok chez les candidats de télé-réalité ? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.